regardez-les. Des soldats français courageux, prêts à se sacrifier pour leur patrie. Ces hommes, c'était des héros. Mais ils n'étaient pas les seuls à combattre. Je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. S'ils t'ont laissé t'engager, ça veut dire que ça va pas du tout, d'eh? Ils m'ont demandé de venir repousser les Allemands parce que tu es trop faible et trop vieux pour ça, Idrissa, regarde-toi. Alors tu es venu gagner la guerre tout seul, c'est ça? Si ça peut te faire du bien, va dire à ta femme que tu as aidé, non? Moi-même j'ai une femme, elle est trop jolie. Toi tiens quoi? On disait, nous sommes français. Nous sommes français. Mais une fois en France... Nous avons vu à quel point nous étions français. On va faire ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on ait fini. C'est tout? C'est tout ce que l'on va faire? Écoute, les choses ici sont... différentes. À 7 ans, les Français lançaient tout ce qu'ils avaient vers un château occupé par des troupes allemandes. Et quand tout a échoué, notre jeune et ambitieux capitaine a décidé de nous porter volontaires pour s'emparer des canons anti-aériens allemands qui l'encerclent. Hey, hey! Il faut garder ton calme. Ne joue pas les héros. Hein? Reste en vie, petit frère. Thank you.
perd notre identité face à l'immensité de la guerre. Une autre fourmi, un autre cadavre. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis démé, je suis un tirailleur. Et que Dieu nous aide. Sauvera des vies, de vraies vies. C'est concret,
c'est réel. On sait qu'on a fait quelque chose de bien. Alors on se raccroche à cette idée et on rejoint la boucherie. Get it!
soldats allemands. Arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. Laisse-le partir, petit frère. Idrissa, est-ce qu'on a gagné? Ils ont tous fui. Alors sauf s'ils ont changé les règles du jeu. Waouh, on a gagné. On a gagné? Cessez le feu! On a gagné. On a gagné! On les a eus!
On les a battus. On a gagné. On a gagné. Surveillez les arbres là. Rassemblez les armes et les munitions. Idrissa, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Viens, on y va. Il faut qu'on continue là. Faut te reposer, petit frère. Tu es vivant. Peut-être ils nous donneront une médaille de... Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Démé, on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr? Idrissa, tu es comme moi, allons. Allons les combattre. J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables? Si on avance, et si on neutralise ces canons, les livres d'histoire parleront de nous, de la reconnaissance, du respect, pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et leur montrer à tous qui nous sommes vraiment. Allons-y! 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 Dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Le commandant ne veut pas que nous tirions les leurs gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. On s'est rendu! Mon Dieu! Er hat gesagt, die Vorräte kommen, aber ich glaube ihm nicht. Bald werden wir mit Stöcken und Steinen kämpfen. Nicht so trüb! Der verdammte Hauptmann, die sonst nicht mal zum Essen anhalten. Essayez de communiquer maintenant. Non. Quelle horreur.
Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer. C'est trop tard. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Ça m'étonnerait qu'il y ait des survivants ici. Sei Dank, dass seine Augen größer sind als sein Magen. Thank you.
Merde, il y a une patrouille là-bas. Wir können nicht weit sein! Du alles!